Yo, salut les gars, c'est Croque-Madame, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas commenté, que j'avais pas fait de vidéo. Et oui les amis, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique ça maintenant, non un petit peu après, je vais vous présenter le gameplay vite fait. J'ai fait un bon petit score de 79 à 11, non létal, donc solo, en hardcore, à la mitraillette. C'est toujours la même classe que j'ai, donc viseur réflexe, grande cape. Et après les atouts, bah j'ai déjà fait des vidéos en hardcore, c'est les mêmes atouts, exactement la même classe. Et j'ai bugué à 160 points, donc j'aurais pu faire un plus de 100 non létal, enfin bref. J'ai bugué, la chance n'était pas avec moi, et j'ai fait une petite KM aux alentours, 2-3 minutes, en bon petit rush assez sympathique. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour le gameplay, rien de spécial, à part que bon, c'est un bon petit score quand même, en solo je précise. Donc voilà, déjà un gros merci à tous ceux qui m'ont mis des petits messages de soutien sur Twitter, sur YouTube, même aux autres YouTubeurs qui demandent à chaque fois, c'est quand Croc, excusez-moi, il revient. Et ben il est là, Croquis. Je voulais faire donc une grande pause parce que le jeu il m'avait saoulé. J'avais plus trop le temps, j'avais un peu la flemme. Franchement, pas trop envie de jouer à Ghost, même pas du tout, hein. Le peu que j'ai joué. C'est naze, franchement en solo c'est chiant en solo, c'est chiant, chiant et chiant. En groupe ça peut aller, franchement j'ai pas trop testé en groupe, mais blocage de spawn, etc. Et puis voilà, de toute façon je sais que bon, j'ai fait des bonnes petites perfs sur le jeu quand même, les doubles KM quasiment solo. Le plus de sang là sur Tremor, c'était un gros gameplay ça, plus de sang aussi sur Strike Zone que j'avais mis. Ça c'est des bons petits gameplays, et même à l'heure actuelle sur YouTube, j'en ai pas vu beaucoup en solo. Ils sont tous en groupe pour faire même des doubles KM, donc c'est assez pitoyable. Et le pire c'est que les gens qui commentent, en fait il y a pas de haineux, tu vois, si tu joues en groupe, c'est normal, c'est easy. Et puis voilà, donc je sais qu'il y en a certains qui vont dire, ouais il dit ça mais, attends, le petit croquis sneaky, sur BO2, il jouait en groupe. Donc effectivement j'ai joué en groupe sur Black Ops 2, mais enfin, même j'ai joué en groupe, je pense que je peux parler... Donc Zénon, moi et tous mes petits potos youtubeurs, tu vois, que j'aime bien. En fait, le délire de jouer en groupe, je vais vous expliquer comme ça tout le monde va comprendre, tu vois. En plus, c'est Xenon, c'est ce bâtard de Xenon, je vais vous le dire franchement. Il a fait le 200 kills en groupe, il a lancé le blocage de spawn. Après Globox, pareil. C'est à cause de ces deux gros enculés là que on a joué tous en blocage de spawn. Là, je déconne évidemment. Donc en fait, le but de jouer en groupe pour bloquer les spawns, etc. Enfin bon soutien, vous m'avez compris, c'est de réaliser des scores, des performances que tu ne peux pas faire solo, qui est quasiment impossible à faire solo. Donc nous sommes d'accord, moi je vais parler de mes vidéos parce que voilà, la nuque en 47 secondes, vous êtes d'accord qu'en solo c'est impossible, tu vois. Même les Ricains, même en groupe, ils l'ont pas fait. Moi et Globox, on en a les... deux records, enfin lui il a le world record, hein. Enfin, moi j'ai le deuxième, mais même les Ricains nous ont pas battu là-dessus, c'est un truc de ouf. Après il y avait quoi, les plus de 100 non létales sur les maps assez grandes, et plus de 200, peut-être que j'ai oublié quelques gameplays, et puis voilà. Après voilà, moi je sais que j'ai pas de soucis à me faire, j'avais fait pas mal de gameplay solo en live en plus, double nucléaire, nucléaire au sniper, sans C4, avec toutes les armes que vous voulez, même à l'exécuteur, enfin bref, je vais pas vous répertorier toute ma chaîne, pour ceux qui m'ont suivi, ils savent très très bien ce que j'ai fait. Et puis voilà, donc le but de jouer en groupe c'est ça, et justement aujourd'hui sur YouTube, des gens qui jouent en groupe, c'est pour faire des gameplays assez banals, je crois, ouais c'est banal. Même ils perdent la partie, donc là il y a carrément tout le but du jeu qui s'envole quoi, parce que le but c'est quand même de gagner la partie, même si je vais pas vous mentir, je suis même sur Ghost là, c'est vrai que sur Ghost je prends aucun drapeau, encore sur BO2 ça va, je capturais, mais alors là sur celui-là laissez tomber, c'est un traquenard. Et puis voilà, donc vous m'avez compris. Le jeu en groupe, et ben ça s'est démocratisé sur YouTube, même trop, donc c'est un petit peu la merde. Donc moi j'ai pas kiffé le jeu, là trop de maps grandes, etc. C'est assisté, les mecs qui campent, bref. C'est la merde. Et même pour les prochaines cartes qui vont sortir, là, ils vont mettre une grosse pilule, les gars, si vous voulez vraiment. Si vous aimez pas le jeu, prenez pas le pack de cartes, hein, faudra bouger sur d'autres plateformes. Moi je prendrais la Xbox One je pense, parce qu'il y a Titanfall, etc. etc. et me faire plaisir sur d'autres jeux, même
mes prochaines vidéos, ça va se baser un petit peu sur Black Ops 2, un tout petit peu. J'attendrai les prochains jeux, genre Titanfall, comme je vous ai dit, pour faire des petites vidéos dessus, sympathiques. Là, Ghost, ils se sont foutus de notre gueule, honnêtement. Après, peut-être que le jeu, il peut changer, mais ça m'étonnerait énormément, parce que la communauté, elle restera comme elle est. Et vaut mieux ne pas acheter le pack de cartes, etc. Parce que les mecs, ils vont s'en foutre plein les fouilles. Et puis voilà. Enfin bon, c'est mon avis personnel. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez kiffé le jeu, bah prenez le pack de cartes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Et voilà, il y aura d'autres youtubeurs qui vont continuer sur Ghost. Des gameplays de malade mental, tu vois. En full support. Là, je déconne. Enfin, chacun son avis. Moi, je sais. Moi, enfin, vous savez que je me prends pas la tête. Et puis voilà, donc j'ai noté quelques petits trucs. Mes prochaines vidéos, ouais, ça j'en ai parlé. Donc, gameplay sur YouTube. Et puis voilà, c'était, ouais. Donc là, j'étais en train de dire mes petits mots-clés. C'était à peu près tout. C'est vrai que, ouais, Ghost, il y a pas mal de défauts dessus quand on joue en solo. On tombe que dans des parties en cours, mais que ça. Les maps bien, il y en a 4 à tout casser. En fait, c'est la structure des cartes et la taille des cartes qui est mal faite. Il y a trop de bâtiments. Aussi, un truc que j'ai remarqué, c'est que l'uniforme des soldats. Enfin, après, normalement, j'ai une bonne vision. Il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème au niveau de la vue. Mais des fois, il y a des mecs, les longs des murs, tu les vois pas, tu vois. Ils se confondent trop avec le décor. Et c'est la merde pour les distinguer. Donc, encore un petit avantage fait aux campeurs. Après, sans compter les EEI. Même avec la tour rapport, des fois j'arrive à m'en prendre, il y en a tellement des bordels. EI, plus les atouts spécialistes. Vous mettez un atout pour pas grand chose en fait. Hein, ils privilégient pas le rush, voilà. Par exemple, poids léger, il coûte 2 points, marathon il coûte 2 points. Et les atouts comme assassin et tout pour bien planquer. Après je sais, vous allez me dire, oui, il y en a qui jouent avec assassin mais qui courent partout. Oui, effectivement, à ce moment-là, ça sert à rien d'avoir assassin si vous courez partout. Enfin bref. Ils privilégient plus la camp. Après, sans compter les lance-patates aussi, alors ça en hardcore il y en a pas mal, les lance-patates. Bref, vous m'avez compris, et même, je sais pas, la communauté, je sais pas ce qu'il y a un problème dans le jeu en fait, il y a un problème dans le jeu. Enfin, je suis pas le seul à vous le dire, hein, parce qu'il y en a qui vont se dire, ah, il arrive plus à jouer au jeu. Moi j'ai tapé mes gameplays, après le reste, je m'en fous, hein. Les autres ils se démerdent, ils font comme ils veulent, s'ils doivent jouer en groupe pour faire des gameplays. Moi je sais que j'ai rien à me reprocher, voilà, Après, je vous ai fait plaisir, je me suis fait plaisir, mais là, le plaisir, il y est plus, donc autant que Ghost, je le laisse un petit peu dans le placard, on va dire ça comme ça, dans le tiroir, dans tout ce que vous voulez, qu'il prenne un peu la poussière, là, et faire chauffer BO2. Donc dites-moi ça dans les commentaires, ça, c'est très important, si vous allez vous prendre le pack de cartes de Call of Duty Ghost, c'est impératif, les gars, de me le mettre dans le commentaire. C'est impératif. Comme ça, je sais que si vous avez. Enfin, logiquement, si vous prenez le pack de cartes, vous avez aimé le jeu. Dites-moi si vous aimez le jeu, etc. Si vous prenez le pack de cartes. Et puis, voilà ce que vous pensez de mes petites idées. Genre, balancer un peu de Black Ops 2, attendre les prochaines consoles, les prochains jeux. Parce que, sans vous mentir, voilà, Ghost. Même moi, qui est passionné de Call of. Parce que, voilà, c'est Call of, c'est le jeu que je kiffe. Je joue qu'à ça quasiment. Même moi, les ricains qui font des trucs de ouf, je regarde même pas les gameplays. Je m'en bats les steaks du jeu, c'est incroyable comment le jeu. Je peux même plus regarder une vidéo, il est nul, il est nul, franchement. Ça, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Et puis voilà. Donc j'espère que mon petit retour vous fera plaisir. Attention, c'est une vidéo aussi intermédiaire, hein. Ça veut pas dire que je vais balancer plein d'autres vidéos qui vont se succéder. C'est juste pour vous dire, voilà, de prendre un petit peu votre mal en patience. Et puis voilà, donc je remettrai quelques lives sur BO2. Là, j'en ai un. Je pense vous le mettre un petit plus de 100 non létal à la N94. Ça, c'est 4 sans insertion, mais c'est sur Nuketown en hardcore. Il n'y a pas de nucléaire. Je suis mort pas mal de fois. Bon, c'est en live, c'est assez sympathique. Dites-moi aussi si vous voulez voir ça dans ma prochaine vidéo, je pense plutôt. Et puis voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. On va toucher à la fin de la vidéo. Donc, je sais pas si je vous avais dit que j'avais bug, hein. Donc là, 79-11. Et je vais bug dans pas longtemps. C'est assez dommage que j'aurais pu faire un petit peu de sang. Enfin bref, voilà. Donc, n'oubliez pas de répondre dans les commentaires. De liker la vidéo si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, bah, me dire pourquoi. Et bonne journée, bonne soirée. Ciao, bye bye.